Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. J'ai un pote dans la com aujourd'hui consacré à un sujet hyper important qui, moi, particulièrement, me plaît beaucoup puisqu'il s'agit de comment créer un univers graphique dans le jeu vidéo. Nous avons la chance et l'honneur d'accueillir deux intervenants, Tommy Afioc, qui est game designer et intervenant au sein de l'Institut Artline, et Olivier Campion, qui est art lead et partenaire chez Viborg. Merci, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter rapidement. Ouais, bonjour à tous. Moi je suis DA Lead chez Viborg. Chez Viborg, on est une agence de communication. Et en fait, on accompagne des studios de jeux vidéo sur différents sujets, sur du lancement de jeux à travers une identité, une communication sociale ou display. On crée aussi des identités de ligue e-sport avec toute la communication autour, voilà, dans les grandes lignes. Super, bah merci d'être avec nous, Olivier. Merci à vous. Moi, merci pareil de me recevoir. Du coup, moi, je suis donc game designer et surtout intervenant en histoire du jeu vidéo et en études de genre, alors notamment chez Artline, mais dans d'autres organismes. Je me suis vraiment spécialisé dans l'enseignement maintenant. OK. Et moi, c'est voilà, le sujet qui me passionne, c'est surtout l'histoire du jeu vidéo, mais toujours avec des aspects game design, notamment quand j'apprends aux gens à étudier un genre, car avant de concevoir un genre, il faut bien l'étudier pour pouvoir tomber juste après quand on conçoit des jeux vidéo. Ok, donc quand tu parles de genre, tu veux bien Genre, par évidemment exemple, parler. shoot 'em up, FPS, jeu D'accord. de plateforme, RPG, voilà, il y a des codes, chaque genre a une histoire Bien sûr. et surtout des univers qui leur sont attitrés, donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Ok, super intéressant. Eh bien, écoute, merci à toi aussi, Tommy, d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quand même vraiment pas mal de choses à se dire sur ce sujet. J'aimerais quand même juste qu'on revienne sur un petit chiffre. Évidemment, c'est celui des revenus générés par le jeu vidéo. Il est de plus de 5,4% en 2022. Ça a atteint quasiment 204 milliards de dollars. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que ça vous étonne, vous, en tant que professionnel? Bah, je peux prendre la parole. Vas-y, bien sûr. Non, moi, ça m'étonne pas trop. Enfin, voilà, le jeu, vraiment, le jeu vidéo a explosé il y a déjà, au moins une trentaine d'années quand on prend les NES, etc. C'est vraiment là que ça a commencé à exploser. Aujourd'hui, je crois qu'on est à entre 40 et 50% de la population qui est gamer. Quand on parle de gamer, c'est pas seulement, voilà, les hardcore gamers sur les dernières consoles, etc. C'est une grosse partie de la population qui joue aussi sur des jeux mobiles. Enfin voilà, ça aussi, nous, en tout cas, on les considère comme des gamers. On s'adresse aussi à eux. Donc voilà, ça peut être du puzzle game sur mobile jusque au Bien triple sûr. A sur les dernières générations. Donc on s'adresse vraiment vraiment à tout le monde et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter là avec les nouvelles technos qui évoluent, réalité virtuelle, etc. Ce genre de choses là. Donc il y a encore plein de choses à venir hyper intéressantes et voilà. Donc demain, tout le monde sera un gamer. Moi, je rejoins Olivier, même quand il dit que ça fait plus. Alors moi, ça fait même plus de 30 ans, puisque c'est un sujet que j'étudie. Donc, il parlait de la NES, mais on peut même remonter jusqu'à l'arrivée de Space Invaders, qui a vraiment tout fait exploser. Et c'est là que le jeu vidéo a même dépasser le cinéma, et même après, dans les années 90, avec les arrivées de Street Fighter, puis le jeu vidéo était plus gros que le cinéma et la musique réunies. Donc en fait, c'est à ses débuts, c'est chaque année, ça doublait. Donc là, on est sur quoi? Sur 5%. C'est pas étonnant, il y a eu la NES, puis après, dès que le mobile est arrivé, ça a encore plus explosé. Moi, je pense même que c'est pas prêt de s'arrêter. Au pire, il y aura peut-être deux, trois chutes, deux, trois baisses, parce qu'il peut y avoir une saturation du marché, mais la prochaine évolution technologique ou le prochain produit à la mode fera que ça va. Ou le prochain confinement. Voilà, ça va re-exploser, ça va Prochain vraiment confinement, exploser. ouais. Même je vois le jeu de société aussi explose. Donc, il y a vraiment. Les gens adorent jouer parce que, bon, on en parlera sûrement après, mais ce côté social, Bien divertissement. sûr, bien sûr. Et ça touche tout le monde, en fait. Et de plus en plus, les générations vont naître dans le jeu vidéo, les parents vont faire jouer leurs enfants, en fait. Donc. Pour moi, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter, quoi. Tu faisais référence aux nouvelles technologies qui allaient arriver. Je me fais un peu l'avocat du diable. Voilà, enfin, évidemment, je vais te parler du métaverse, du Web3. Est-ce que vous, c'est des sujets qui sont d'actualité à la fois chez Arkline, à la fois chez Viborg? Est-ce que vous commencez à penser tout ça et à vous projeter dans ces univers?
Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont liées à tout ce qui est NFT aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On a déjà des clients qui nous posent les questions sur ce genre de sujet. Donc, nous, ouais, c'est quelque chose qu'on étudie, qu'on commence à défricher. Donc, oui, là aussi, il y a un pan énorme de possibilités qui s'ouvre à nous, quoi. L'exemple de Sandbox, par exemple, qui est très Exactement. unifié. Ouais, Ouais, tout à là, fait. c'est hyper intéressant. D'un point de vue peut-être un peu plus sociologique, qu'est-ce que le gamer va chercher dans le jeu vidéo? Quelle est pour lui voilà, sa source de motivation? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le fait d'incarner un personnage qu'il ne peut pas forcément incarner dans la réalité? Enfin, voilà, quels sont les paramètres d'envie pour le gamer? Là aussi, c'est hyper varié. Enfin, comme justement l'audience est hyper vaste, forcément les besoins, les attentes des joueurs le sont aussi. Donc ça peut aller, bah ouais, enfin juste tuer le temps en attendant son train, jusqu'à ouais s'immerger totalement dans un nouvel univers, apprendre des nouvelles choses. Enfin, tu vois, quand tu parles de jeux un peu historiques, à Assassin's Creed et tout, bah t'apprends des choses, tu vois des nouveaux univers, tu t'immerges complètement. Et après, ouais, il y a aussi bah tout le côté aussi social où on va pouvoir jouer en ligne avec ses potes ou d'autres personnes, donc ce qui amène aussi un côté un peu voilà compétitif aussi, et on voit que la compétition en plus dans le jeu vidéo va, enfin, voilà, on n'est pas forcément là pour parler de ça, mais l'e-sport c'est aussi quelque chose qui se développe énormément, et c'est aussi bah, des attentes des joueurs, et même certains joueurs sont aussi spectateurs d'autres joueurs et apprennent d'eux, enfin voilà, il y a aussi, enfin, les attentes sont hyper hyper variées, quoi. Ouais, c'est sûr que, ben, comme il disait Olivier, donc, le côté social, je pense que c'est un des aspects les plus importants du jeu de manière générale. Le jeu, l'homme étant un être social, il aime bien justement interagir avec ses congénères, on va dire. Et moi, je sais que souvent, on disait que le jeu vidéo isole. Alors, il peut isoler pour certains dans la vraie vie, et encore, parce qu'avec les MMO, on se réunit virtuellement, mais Oui, bien il y a sûr. toujours en communication. Mais je sais que moi, j'ai longtemps joué aux jeux de combat, à une époque où le net ne permettait pas forcément une qualité proche de ce qu'on appelait du local, donc où j'allais chez les gens jouer, où on se réunissait. Donc, je me suis fait de très très bons amis juste grâce aux jeux vidéo. Il y a l'aspect compétition, on a envie de se dépasser comme les gens qui font du sport, etc. Et moi, je retiendrai surtout, ben, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'aspect immersif. On a envie, le jeu vidéo permet de voyager, mine de rien, de se dépayser. Peut-être à une époque où le jeu vidéo n'existait pas, on avait tendance à s'évader dans les livres, avec les descriptions dans des univers fictifs, etc. Moi, personnellement, aujourd'hui, alors je sais que j'ai jamais été trop roman, mais même si j'ai envie de m'évader, je préférais plutôt un jeu d'aventure qu'un film, parce que avec l'interaction, on est vraiment acteur, et ben, on parlera sûrement, mais les jeux comme les Skyrim, Assassin's Creed, ou même Elden Ring, on a vraiment, voilà, le temps qu'on joue, on est dans un univers et on s'évade, quoi. Et ça, c'est... Ouais, et puis les histoires sont hyper travaillées. C'est là qu'on rejoint le cinéma avec une couche, comme tu disais, Tommy, justement, cette couche d'interactivité en plus du cinéma. Donc, c'est aussi pour ça que, voilà, plus en plus de monde qui aime suivre un jeu, qui aime suivre l'histoire, parce qu'ils sont acteurs aussi de ce jeu, quoi. L'un des exemples parfaits peut être Red Dead Redemption, le numéro 2, qui est quand même assez impressionnant en termes de, bah voilà, de à la fois du gameplay et en même temps de tous les visuels qu'il peut y avoir autour de et la vidéo qu'il peut y avoir autour du jeu aussi. On a l'impression vraiment d'être D'immersion, dans un film, ouais, d'immersion totale. c'est un jeu où tu peux rester 10 minutes à contempler un paysage. Enfin C'est voilà, fou, ouais, c'est c'est... ouais, c'est assez bluffant. Ouais. T'as juste envie de prendre ton cheval, de galoper dans le... C'est ça, Et c'est ça. puis, ça te va très bien, tu vois, t'as rien besoin de faire Ah, d'autre. ouais. Mais pour rebondir, c'est vrai que alors, pour l'aspect social, c'est surtout aussi, on peut jouer pour différentes raisons, même une même personne peut choisir un jeu pour différentes raisons. Je sais que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de pères qui me demandent des fois, même dans des vieux jeux, parce que moi, j'aime bien le rétro gaming, c'est ma OK. spécialité, ah, quel jeu je pourrais jouer avec mon fils d'époque où... Pour lui faire un peu découvrir ça. Ils ont envie de passer aussi un bon moment entre père et fils. Donc, ça, c'est pour l'aspect social et pour l'aspect immersif. C'est vrai que ben, un jeu comme Red Dead Redemption permet vraiment de. Pour peu que tu aies vu juste avant un très bon western, tu as envie de te plonger à ton tour. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je me souviens, je sais pas si vous avez connu à l'époque le jeu vidéo du Seigneur des Anneaux, ça avait cartonné parce qu'il le vendait juste après le film. Donc, moi, je me souviens, après le film au cinéma, je suis allé au magasin de jeux et j'ai acheté les jeux parce que. T'as envie de prolonger Ouais, c'est l'aventure ça. autrement, et le jeu vidéo, ben, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et
Et justement, est-ce que le choix de l'univers graphique influe beaucoup sur le choix du gamer? Alors évidemment, le graphisme, c'est avant tout un moyen peut-être corrigez-moi si je me trompe, mais le graphisme est peut-être un moyen d'aider au gameplay et de permettre aux joueurs de se sentir plus à l'aise dans sa façon de jouer. Comment on choisit aujourd'hui le graphisme dans le jeu vidéo? Là aussi, c'est hyper. Enfin, la question est hyper vaste. Enfin, c'est parce que tu auras plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte au départ. Donc, enfin voilà, que tu bosses chez Ubisoft ou dans un studio indé, etc. Les demandes, les attentes seront pas les mêmes. Donc, en fonction du brief, de ton audience, du budget. Enfin voilà, tu vois, ça peut être hyper large, quoi. Donc ouais, sûr que si tu veux de l'immersion, on va penser forcément à des jeux photoréalistes au départ, etc. Mais voilà, après, il y a des jeux super intéressants où enfin, la techno sera moins poussée parce que la console aura moins de performance. Enfin, tu vois, je pense pas forcément à une Switch avec un Zelda où rien que là, le graphisme est hyper original, hyper intéressant. On n'est pas sur du photoréalisme, mais pour autant, t'arrives quand même à t'immerger et voilà, mais c'est il y a plein de paramètres et puis je pense que voilà les limitations techniques de la machine en font partie, mais voilà, certains sont très malins, en tout cas Nintendo le sont très malins pour essayer de contourner ça et s'approprier justement un style qui est propre à eux, qui dépend en fait de ces contraintes techniques. C'est vrai que souvent, en art, on dit que enfin, toutes les conceptions, en général, quand on n'a pas de contrainte, on a du mal à vraiment pouvoir se révéler, puisque la contrainte permet malgré tout, alors c'est ce que j'apprends souvent aux apprenants, qui se sentent un peu contraints dans certaines règles, mais ça leur permet de vraiment s'exprimer, parce que dans ce cadre, ils essaient de donner le maximum. Et c'est vrai, comme disait Olivier, on peut choisir le graphisme des fois juste parce que la console ou le PC ou, n'étant pas capable de faire vraiment tourner des gros graphismes. On va s'orienter plutôt judicieusement vers de la 2D, où à l'époque ça se faisait beaucoup tout ce qui était cel shading, parce que c'était à la fois peu gourmand et visuellement très, très abouti. Et donc en fait, pour moi, on choisit aussi le graphisme. Parfois, ça peut être soit pour accompagner, comme tu disais, le gameplay ou l'idée de jeu, ou alors des fois, c'est le moteur en se disant, ah, j'ai envie de faire, et notamment, je pense surtout à la scène des jeux indé. Ah, j'ai envie de faire un jeu en 2D ou j'ai envie de faire un jeu en pixel art. Et après, ils vont essayer justement, comme pixel art rappelle les vieux jeux, de trouver aussi un petit peu des mécaniques un peu à l'ancienne. Donc ça peut être soit vraiment le moteur en se disant, allez, je vais faire un jeu comme ça, ou alors pour soutenir l'histoire, pour soutenir le gameplay et pour aussi des fois attirer un public. J'ai Ouais. travaillé chez Ubisoft notamment sur la série des jeux de Just Dance, et le graphisme devait être attractif parce que ça devait déjà attirer le public. Peut-être qu'un jeu comme les World of Warcraft, etc., le graphisme est optionnel. Il est là juste D'accord. pour un peu que l'expérience soit agréable. Mais c'est surtout, ils savent très bien que ça sera le contenu du jeu qui va attirer le joueur. Alors que, on parlait tout à l'heure du jeu mobile, les Candy Crush. Là, l'objectif du graphisme, c'est aussi d'attirer des gens un petit peu plus casus. Donc, faut qu'ils soient judicieusement choisis selon les codes. L'accessibilité. Ouais, voilà, en fonction du gameplay, enfin, tu vas avoir des gameplays qui vont te demander, justement, si tu veux que le jeu soit facilement, quand tu as une prise en main facile, il faut que ton design soit ultra simple. Ces puzzle Ouais. games-là, tu peux pas te permettre d'avoir des trucs qui pètent dans tous les sens et tout, parce que ça s'adresse Bien aussi à sûr. une certaine audience. Donc voilà, Ouais, aussi c'est cet vraiment intérêt. l'aspect ergonomie. Je sais que moi, en tant Ouais. qu'ingénieur, voilà, je fais souvent gaffe. L'ergonomie, c'est important. Souvent, je vois quand je regarde un peu des projets qui se font. Chez des indépendants ou de manière un peu amateur sur Internet, souvent ce sont des gens qui n'ont pas ces notions d'ergonomie, donc remettre le paquet visuellement en tant qu'artiste, mais quelque chose qui Oui. s'anime, puis avec des éléments où après il y a un joueur qui doit interagir, c'est très souvent peu ergonomique. Et donc il faut aussi, quand on fait du graphisme dans le jeu vidéo, avoir ces notions de être aussi un joueur et avoir ces notions d'ergonomie, c'est important. Et Ouais, mais oui. ça, il faut prendre beaucoup de paramètres en compte, parce que c'est vrai que ces studios n'ont pas forcément, enfin, studios indépendants, j'entends, n'ont pas forcément toutes les mécaniques, parce qu'ils vont être sur un premier jeu, sur des tests et tout ça. Donc, c'est aussi ce qui fait enfin, ce qui nous
peut nous faire découvrir des pépites et qui vont lancer de nouveaux genres, etc. Mais derrière, ils n'ont pas de tests conso, de choses comme ça, de QA tests, etc. Donc, voilà, ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses, d'avoir des jeux aussi aboutis, mais on peut trouver des pépites et des choses hyper Moi, je parlais surtout aussi chez tout ce qui est mode, chez les modeurs, etc. Où, alors là, ce n'est même pas un studio, c'est quelqu'un qui fait ça chez lui. Ce sont souvent des gens qui sont très forts techniquement en 2D ou en 3D. Donc, vous proposez des nouveaux assets ou même des refontes totalement de l'interface ou ce qu'eux aimeraient voir visuellement. Et c'est là qu'on voit aussi que on ne peut pas toujours choisir des graphismes selon la subjectivité en disant « Ah, moi, j'aime bien, je fais ça. » Non, il faut que ça corresponde à une intention par rapport aux jeux vidéo, à la cible, à différents paramètres. Ouais. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, alors j'imagine que vous, en tant que professionnel, c'est hyper simple, mais pour la personne un peu plus lambda qui aime le jeu vidéo, mais sans non plus être vraiment à fond dedans, est-ce qu'on peut vraiment voir la différence entre les différents devices qui aujourd'hui supportent des jeux vidéo ? Je parle de la PlayStation, de l'Xbox, du PC, enfin voilà. Est-ce que d'un point de vue graphique, on peut vraiment identifier chaque console ? Ouais, et puis aussi on parle du mobile, mais encore une fois, c'est des contraintes techniques aujourd'hui. C'est vrai que quand on a les consoles dernière génération et les PC, on peut se permettre énormément de choses. Mais après, voilà, en revenant sur la Switch ou le mobile, bah forcément, on sait qu'on a une différence. Tu vas avoir des jeux aussi, tu vois, genre un Call of qui va être adapté en mobile. Bah, tu sens qu'il y a une différence, même si avec le mobile, on peut pousser vraiment des choses ultra intéressantes. Enfin, aujourd'hui, voilà, même un petit device portable, tu peux te permettre des choses assez poussées techniquement. Quoi. Sur un bon iPhone aujourd'hui, franchement, parfois, c'est à s'y méprendre. Hein. On est quasiment à de la console d'il y a quelques années. Quoi. Ouais. L'évolution se fait hyper rapidement. Quoi. Ouais, et après, tu vas avoir forcément des... Ouais, comme tu dis, enfin, les personnes lambda vont pas forcément voir les petits tricks que les développeurs vont pouvoir mettre en place pour donner l'illusion que le jeu est aussi bon que sur console, mais voilà, aujourd'hui on arrive à faire des choses ultra cool et qui sont largement suffisantes, je pense, en tout cas pour la plupart des gens sur différents devices. Oui, c'est vrai, comme disait Olivier, alors le consommateur ne verra peut-être pas les techniques, surtout en termes d'optimisation, etc. Mais ils sont quand même assez sensibles à la qualité des graphismes, puisque depuis que je connais tout ce qui était conférences, les salons, etc., le fameux graphisme, ça a toujours été l'argument de vente numéro un. Et encore aujourd'hui, des fois, c'est un peu des travers que je trouve pour le jeu vidéo. C'est souvent nous mettre une bande-annonce d'un jeu ou d'un trailer. Au lieu de nous mettre des images de jeu, ils nous mettent une cinématique la plus belle possible. Donc, c'est vraiment ce qui est vendeur. Mais après, là où je rejoins Olivier aussi, ou même ce que tu disais, c'est que malgré le fait que certains devices ne puissent pas faire tourner par rapport à la 4K, à la PlayStation, les gens seront quand même très, très tolérants en disant « Ah, mais attends, c'est pour du mobile ou pour de la Switch, c'est très beau. » Donc, en fait, dans tous les cas, ça passera toujours. Si c'est bien exécuté, si ça ne rend pas, si l'ergonomie est bonne, visuellement… Et puis sur une Switch, enfin l'audience n'est pas là pour ça. Elles sont là pour un style graphique qui est propre à Nintendo. Donc oui, les attentes, enfin voilà, les attentes sont pas les mêmes, quoi. C'est vrai que un bon jeu mobile, ça peut prendre autant de ça peut avoir autant d'intérêt et autant d'envie qu'un jeu console un peu plus classique, quoi. C'est ça. Souvent les jeux qui seront appréciés et reconnus par les joueurs. C'est pas toujours les jeux qui sont visuellement réalistes. Soit on a vraiment quelque chose qui est impressionnant et qui met tout le monde d'accord. Encore faut-il avoir la bonne télé, etc. Mais ce sont souvent des jeux qui ont un style et une petite patte artistique. Donc, ils sont moins gourmands techniquement. Et là, les gens vont apprécier cet aspect-là parce qu'on revient presque à de l'art, quoi. Donc finalement, on revient un peu à... J'allais vous poser la question, mais vous venez un peu d'y répondre. Le graphisme, est-il si important? Alors c'est un peu bizarre comme question, mais on voit qu'il y a des jeux comme Minecraft qui sont des jeux mondialement connus, qui ont connu un succès fou. Est-ce que finalement le contenu du jeu
n'est pas peut-être plus important que ce qu'on peut Ah, voir un peu là-bas. ouais, c'est un tout, c'est pas que le graphisme. Le graphisme, c'est seulement une partie du jeu. Derrière, tu as le gameplay, tu as l'histoire, enfin voilà, l'intérêt du jeu, c'est pas seulement le graphisme. Donc non, le graphisme n'est pas si important. Non, totalement. En fait, pour moi, c'est différent. Alors, selon si tu es un concepteur, un éditeur, on ne répondra pas différemment. Le graphisme est très important d'un point de vue. C'est le premier contact qu'on a avec un jeu, notamment aujourd'hui avec tout ce qui est publicité. Alors, moi, je parlais à l'époque déjà des magazines. Puis après, il y avait. Je pense qu'on a tous connu ça, cette période où on allait à chercher le jeu vidéo et on tournait pour voir à quoi ressemblait le jeu, juste en image. On n'avait pas encore en main, donc on ne pouvait pas savoir si le gameplay était bon. Puis après, on regardait des vidéos, etc. Donc, pour moi, le graphisme, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, en ce sens, il est important. Par contre, ce qui fera que le joueur continuera à jouer et même pourra en parler à ses amis, ça sera le gameplay. Et souvent, moi, j'ai même tendance à dire qu'après, c'est un petit aparté, mais on peut parler parce que c'est de l'univers, tout ce qui est bande sonore, etc., la composition, permet plus tard de se rappeler du jeu. Donc, en fait, il y a vraiment. L'entrée, c'est le graphisme. Grosse partie de l'expérience, c'est le gameplay. Et la rémanence, on va dire, c'est le son. Donc, tu peux avoir un jeu qui n'est pas très beau visuellement, mais aujourd'hui, avec tout ce qui est influenceur, test et la scène indé, on peut quand même se laisser tenter par un jeu qui visuellement n'est pas incroyable. Mais si le jeu est incroyable, là, on va en parler, ça fait effet boule de neige. À l'inverse, si le jeu est magnifique, mais que c'est une coquille vide, eh ben, tu vas peut-être Ouais. le vendre au début, mais après, en termes Ouais, de bouche à oreille et tout, on va vite de savoir qu'en fait c'est réputation, ouais. voilà. Et Ouais. ça Et marche. après, tu as aussi sur la durée de vie, enfin voilà, tu as l'histoire du jeu, enfin l'intérêt du jeu sur du long terme, est-ce qu'il se renouvelle, est-ce que c'est très linéaire et tout. Donc voilà, c'est aussi ouais, comme tu dis, le graphisme permet de cette entrée-là, mais après voilà, il faut pouvoir durer avec gameplay, storytelling, etc. Donc c'est ouais, c'est Et par contre, et si tu as les deux, là, tu as souvent des jeux extraordinaires, pour le coup. Bah, il faut trouver la bonne recette avec ces ingrédients-là, quoi. C'est Tu parlais de la musique essentielle dans un jeu vidéo. Ah oui. Ah ben moi qui suis fan de musique, alors moi j'aime bien aussi tout ce qui est musique classique et musique de film, etc. Et je me ouais. rends compte qu'en fait, je fais souvent découvrir à des gens la qualité des compositions des jeux vidéo parce qu'il y en a vraiment. Ah, bien sûr. Même si c'était à l'époque des 8 bits, 16 bits, en fait. C'était des compositeurs qui ont fait le maximum avec les contraintes techniques qu'ils avaient. Donc, on a tous les sons mémorables des Zelda, Sonic, Mario, Ouais. etc. Et après, quand ils ont enfin eu le support CD, où là, ils ont pu faire de la qualité orchestrale, j'ai envie de dire, Oui, il y a des là, on a eu orchestres, hein. vraiment une explosion et il y a des compositeurs très, très talentueux dans les vidéos. Voilà, la bande son de Red Dead, par exemple, c'est enfin, moi qui aime bien ce genre de musique, pour moi, c'est Ah un oui. chef-d'œuvre, hein. Je l'écoute de manière régulière, Bah, sans exactement. aucun problème, sans Partie de jouer au jeu. Ouais. l'immersion, ouais, pour l'immersion, c'est énorme. Enfin, C'est ça me fait énorme. penser à enfin, Assassin's Creed Black Flag. Je sais pas si Bah, vous avez joué. Enfin, magnifique, quand t'es sur le magnifique. bateau, les chants de pirates, Ah ça te met dedans direct. Et ça, ouais, c'est ce ouais. que tu as envie d'écouter à côté parce que voilà, tu t'es vraiment ouais, projeté dans l'univers juste par la musique. Ouais, c'est Ah ouais, c'est exceptionnel. un truc hyper intéressant. Mais c'est vrai ce que tu disais, Tommy, par rapport au sound designer de l'époque, au compositeur de l'époque sur du 8 bits. Enfin, c'est vrai qu'il y a des thèmes extraordinaires qui sont bah, Extraordinaire. qui restent en mémoire. Et du coup, c'est aussi la Madeleine de Proust quand tu les entends parce que ouais, t'as ce côté très nostalgique et tout ça, et c'est ouais, le son est ultra important. Ouais. Souvent, quand on joue, on n'est pas 100% concentré sur le son, sauf si on est vraiment amateur et qu'on tend l'oreille. C'est-à-dire, c'est une aventure, une expérience qui est tellement riche visuellement, intellectuellement, auditivement, qu'on ne peut pas vraiment être partout à la fois. Par contre, à tête reposée, quand on l'écoute plus tard, là, tout nous revient. Ouais. Non, ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est très subtil le son, parce que c'est après qu'on le redécouvre. Ben, je pense que si tu as écouté souvent celle de Red Dead, tu as dû entendre des subtilités qu'en jeu, Oui, tu n'avais pas entendu. c'est Et ça voilà, c'est ça. exactement. Au fur et à mesure, tu découvres à chaque fois une nouvelle partition. C'est hyper intéressant. Ouais, puis t'as la musique et t'as tous les effets sonores aussi, Oui, toute c'est ça. l'ambiance et tout ça, c'est voilà, Exactement. c'est Les animaux, le bruit le bruit des sabots du cheval, enfin voilà. Exceptionnel. Exceptionnel. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'on a les mêmes. Tu vois, qu'on a les Le mêmes. jeu vidéo, tu vois, ça réunit aussi, c'est le Ça côté très réunit, ouais. social. Ouais, carrément, carrément. J'aimerais qu'on revienne sur un point un peu plus technique et un peu plus lié à la technologie du jeu vidéo. Quels sont les logiciels aujourd'hui qui permettent de créer des jeux vidéo? Comment les jeunes qui veulent peut-être
aller dans les jeux vidéo d'un point de vue un peu plus professionnel? Peuvent-ils se former à ces logiciels? Alors, enfin, pour les logiciels qui existent, enfin, je pense que Tommy, tu pourras peut-être plus enfin, répondre à cette question, mais je pense que, enfin, là, tu veux parler, je pense, de moteur, Exactement. au départ. Donc, on est plus sur, ouais, on a du Unreal, du Unity, pour les plus utilisés. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, enfin voilà, certains studios aussi ont leur moteur propriétaire. Je pense notamment à Ubisoft qui travaille aussi beaucoup avec leur propre moteur, qui leur permet plus de liberté aussi, hein, c'est Bien sûr. plus de, enfin voilà, que, enfin, ils sont propriétaires de leur moteur, mais voilà, moi dans les grandes lignes, c'est ce que je sais. Après, sur la prise en main de ces logiciels, voilà, j'en suis pas là, quoi. Alors, disons que pour quelqu'un qui veut, il y a différentes façons d'un peu de mettre la main à la pâte dans le jeu vidéo. C'est comme disait Olivier, donc tout ce qui est moteur, Unreal, sont des moteurs et en même temps, ce sont aussi des éditeurs, donc ça permet de créer des jeux vidéo. Le plus connu, c'est Unity. Ça permet vraiment de partir de zéro, où là, on peut faire vraiment ce qu'on veut. L'Unreal Engine aussi, mais l'Unreal Engine, c'était, alors, historiquement, c'était affilié à Unreal, le jeu Unreal, donc c'était l'éditeur de niveau. Donc, on est surtout sur les assets graphiques, donc les créations liées au jeu. Donc, même si aujourd'hui, ils ont quand même mis différents modèles, comme notamment tout ce qui est végétation, etc., où on peut créer des décors, si on veut créer son propre univers, je pense qu'il faudra surtout avoir un petit peu d'expérience dans tout ce qui est logiciel de 3D ou de 2D pour créer ses propres assets et après utiliser des moteurs, des éditeurs, des logiciels comme Unity ou même, pour ceux qui connaissent, Construct, qui permet rapidement de faire des petits jeux en apportant ses propres ressources graphiques. Mais s'il y a des gens qui veulent déjà commencer à créer leurs propres variantes, ils peuvent déjà voir dans les propres éditeurs des jeux auxquels ils aiment jouer. Même, par exemple, moi j'ai des apprenants qui, même en art, en game art, qui ont fait du mode et des niveaux des Sims. Ils ont adoré l'éditeur de Sims et ils ont laissé exprimer leur créativité avec ce que le jeu leur proposait. Donc, il y a des éditeurs à disposition. Et après, sur Internet, on trouve. Alors, si vous cherchez des tutos sur Unreal et Unity, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Vraiment tout ce qu'il faut, des tutos. Après, il faut quand même certaines notions un petit peu. Je dirais pas de programmation, mais au moins de logique de scripting ou d'algorithme, voilà, parce que c'est très accessible, mais il faut avoir cette logique propre aux jeux vidéo et à la programmation. Mais ça se fait sans problème. Avec Internet, aujourd'hui, on trouve tout, quoi. Et en termes de formation, si on veut vraiment pousser le sujet, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché? Alors, je sais que moi, ben, chez Artline, donc j'interviens notamment chez Artline, il y a des cours de level design où on apprend aux étudiants à se servir de l'éditeur de Unreal. D'accord. Il y a des cours en 3D ou sur 3DS Max où on apprend à faire de la 3D, des cours de 2D, etc. Donc, chez Artline, en tout cas, si on s'oriente plus vers l'aspect art, il y aura tout ce qu'il faut en matière théorique pour pouvoir faire un jeu vidéo. Et de même, si on s'oriente vers la matière plus game designer, pour la conception, il y aura aussi tout ce qu'il faut pour concevoir des niveaux de jeu, avoir les mécanismes et les réflexes, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des formations aujourd'hui, ça existe. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à étudier le jeu vidéo, il y avait très, très peu de formations. Ouais. Voilà, ça se comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ben, c'est la chance. Et c'est lié aussi au fait qu'on atteint les 200 milliards, c'est que ben, c'est porteur. Il y a une industrie qui demande des talents et il y a de plus en plus d'organismes et de formations qui les pourvoient. Ouais, comme tu dis, en plus de la formation, il y a aussi les tutos, le côté autodidacte et tout. Enfin voilà, tout le monde peut déjà commencer à s'y mettre sans passer par une formation. C'est pas forcément, la formation est hyper utile, mais voilà. Faire déjà tellement de choses avec, enfin, grâce au tuto, déjà mettre la main dedans, découvrir le truc, quoi. C'est Mais très facile. Moi, j'avais un apprenant en game art qui était agriculteur et qui, pour une blessure, n'a plus pu pendant très très longtemps remonter sur un tracteur. Et ben, chez lui, un jour, il a lancé Blender, donc un logiciel de 3D, les tutos sur Internet, et il me disait tous les jours, il passait 2 heures dessus. Ça le passionnait. Et après, quand il arrive dans Artline, il a forcément un très très bon niveau. Après, il va apprendre les rouages plus professionnels, travailler en équipe, faire des projets qui vont le mettre en avant. Mais déjà, techniquement, et quand il arrive, juste parce qu'il a ouais. été autodidacte et passionné, il a pu déjà satisfaire ses envies, quoi. Ouais, c'est certain. Bon, après, c'est vrai que l'importance aussi de la formation suivie sur le long terme permet aussi
d'être rigoureux, permet une certaine rigueur qu'on peut parfois aussi laisser de côté quand on est autodidacte, même Un si. cadre, une formation apporte un cadre. Exactement. Ouais, et puis une professionnalisation, on va dire. Exactement. Et surtout un carnet d'adresses, j'imagine aussi un carnet d'adresses pour les stages, Exactement. Les jobs possibles, etc. Donc, c'est en ça aussi que c'est hyper important de peut-être suivre une formation. Messieurs, malheureusement, on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Putain, j'aurais pu continuer à parler de ça avec vous pendant des heures. J'aimerais, avant de vous quitter, vous poser une dernière question. Quel est pour vous, d'un point de vue graphique, évidemment, le jeu, voilà, le jeu qui vous a transporté, voilà, qui vous a, qui pour vous fait partie intégrante de votre vie aujourd'hui? Tu parlais de Red Dead, donc ça, on peut en cocher un déjà. Mais voilà, enfin moi, je suis aussi très très triple A. Enfin, j'aime bien prendre un jeu du début et savoir qu'à un moment donné, il termine. Enfin voilà, je peux pas me permettre de jouer en compète tous les jours à Ouais. FIFA ou des Call of pour garder un certain niveau. Donc c'est vrai que c'est des jeux moi qui m'attirent beaucoup. Enfin, je pense à Last of Us aussi ou God of War. Enfin, le dernier God of War. Enfin, j'attends impatiemment le prochain parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté ou je l'ai quasi fini à 100%. Enfin, t'as l'histoire de base qui est très simple, mais autour t'as tellement de choses hyper ultra intéressantes. Voilà, très 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 cool quoi. Moi, c'est le jeu qui m'a vraiment marqué récemment, c'est Elden Ring. OK. Donc, moi qui ai adoré les Dark Souls, là on était sur un monde ouvert, mais fait par, enfin, à la japonaise, inspiré des Breath of the Wild. On n'a pas parlé d'interface, mais très minimaliste dans son interface, donc forcément ça va augmenter l'immersion. On est vraiment projeté dans un monde, mais avec très très peu d'histoire, très peu de scénario. Par contre, c'est le monde qui lui est bourré d'histoire de par ses runes, ses ruines, ses monstres, son bestiaire, ses architectures. Et on est à chaque fois avec un monde immense ou est très hostile. Et là, pour le coup, le graphisme avait particulièrement été choisi, notamment la DA, pour rappeler cette hostilité. Et aussi, des fois, on s'arrête et on contemple ce qui se passe devant nous, des univers, des monstres. Enfin, en plus, il est un peu inspiré de Berserk, le manga. Enfin, c'est très contemplatif. Et quand on arrive dans une zone, donc c'est découpé en zones, chaque zone a vraiment son propre, j'allais dire, écosystème. Et on a l'impression de redécouvrir un nouveau jeu à chaque fois, et c'est vraiment impressionnant. Donc, Elden Ring, pour le graphisme, l'immersion, parler de créer un univers dans le jeu vidéo, là, on est sur quelque chose de très, très haut. Il faut vraiment que je m'y mette à celui-ci. Ah oui, c'est Écoute, ouais, j'étais en train de me dire, bon, je le connais pas, mais tu donnes vraiment envie d'y aller, là, J'arrête franchement. pas d'en entendre parler, il faut que je me lance. Je pense que là, c'est le prochain projet, c'est celui-là, clairement. Bon, bah, messieurs, un grand, grand merci vraiment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, Merci à toi. toi, Tommy, tu es game designer et intervenant au sein de Architecture. Artline Institute, exactement. Et toi, Olivier, tu es art lead et partenaire chez Biborg, l'agence située à Paris, c'est ça? C'est ça. Bon, super. Bah, écoutez, encore un grand merci d'avoir été avec nous. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. On se fera un grand plaisir de vous répondre et puis je vous dis à tous à très très bientôt pour un prochain webinaire. Merci messieurs. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut.